Pour l'industrie cosmétique, la santé est bien loin d'être une priorité. Pour protéger efficacement le consommateur, il n'y a vraiment personne sur qui on peut compter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. Homicide signalé, avenue des Vosges. Appel à toutes les unités, appel à toutes les unités. On a un homicide signalé, avenue de l'Horreur. Appel à toutes les unités, mobilisation générale, la population est en danger. Police, ouvrez! Bah non, chef, elle peut pas, elle est morte. Ah ouais, merde. Là, ça nous fait 148 000 morts cette année. Tu penses à un serial killer ? Pour dire ça, lui. Ou peut-être l'insécurité routière, hein ? Ce serait craché en bagnole sur son canapé. La route, c'est 3 700 morts l'année. C'est un criminel beaucoup plus dangereux. La drogue, peut-être ? Non, la drogue, ça tue 7 900 personnes en Europe par an. C'est pire encore. Ah ! Je sais, le tabac. Mais oui, tabagisme, 78 000 personnes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Cette histoire nous dépasse, elle dépasse tout le monde. Tout le monde est en danger, il nous faut l'aide d'un expert. Salut, Michel, enchanté. Jacky. Enchanté. Bon bah les gars, c'est bon, je vais prendre l'affaire en main. Eh ben les chevelus, j'enfile ma casquette, je remplis une chemise, et puis on se retrouve dans le salon. Bah nous, on va t'attendre là-bas, c'est quand même mieux. Ouais. Eh salut le chevelu, alors j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un très gros dossier qui touche tout le monde, et tout le monde met sa santé en danger. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, ne serait-ce que pour le bien public. Le cuir chevelu est un organe formidable. Il laisse passer le sébum et la transpiration et empêche les corps étrangers de pénétrer dans l'organisme. Ces corps étrangers incluent poussière, microbes et molécules toxiques. Du coup, il stagne au niveau des racines et représente une menace pour ta santé. Pour te défendre, ton cuir chevelu et ta peau fabriquent du sébum pour les emprisonner. Alors pour t'en débarrasser, tu vas faire un shampoing pour te laver les cheveux. Mais entre nous, si les produits que tu utilises étaient encore plus dangereux, durant la vidéo, tu risques de te dire souvent « j'ai le temps, que ça peut me faire » ou encore « il exagère ». Mais j'aimerais vraiment que tu prennes conscience qu'on est devant un scandale d'une ampleur sans précédent. Eh hey, mais les gars, mais je suis pas mort pour rien hein. Le cancer, puisqu'on va souvent en parler dans cette vidéo, tue 9 millions de personnes à travers le monde par an, dont 148 000 en France. Il pourrait dépasser les 17 millions en 2030, en sachant que l'Europe, à ce niveau, enregistre des chiffres particulièrement mauvais. L'âge moyen aujourd'hui pour un cancer, c'est 67 ans pour un homme et 64 ans pour une femme. Mais les cas de cancer chez les 35-40 ans se manifestent de plus en plus. Les personnes qui ont 67 ans aujourd'hui n'ont pas vécu dans le même monde que nous. Entre la pollution, l'hygiène de vie, l'environnement, les ondes et tous les poisons que nous utilisons au quotidien, on peut s'attendre à voir enfler ce phénomène et voir l'âge moyen des cancers passer en dessous des 40 ans. À ce jour, les avancées médicales ont permis une amélioration de la survie dans 30% des cas, c'est très peu. Et comme une révolution met toujours une vingtaine d'années à arriver sur le marché, cause de rentabilité déguisée sous des critères de sécurité publique, c'est toute une génération d'êtres humains, la nôtre, celle qui vit actuellement sur Terre, qui est vraiment menacée.
Pour ma part, je vais t'avertir ici des dangers des cosmétiques sur ton organisme. Et je prendrai le shampoing pour exemple. Bien que toutes les autres familles de cosmétiques soient constituées avec les mêmes composants dangereux, tu auras toutes les clés dans cette vidéo pour débusquer les dangers. Et si tu veux la liste complète des meurtriers qui se cachent dans ta salle de bain, je te donnerai tous les documents sous forme de PDF vers la fin de la vidéo. Dans toutes les marques, parmi les plus mauvais élèves, on a... Hey, stop! Là, on veut les noms des coupables. Sinon, t'es complice. Ok, ok, d'accord. Donc, en fin de vidéo, je te donne la liste complète de 120 000 produits répertoriés par leur dangerosité. Et en plus, je te donnerai la liste complète de tous les composants que tu devras traquer. Et pour bien identifier tous les problèmes, je dois t'expliquer point par point tout ce qui est reproché à chacun des constituants suspectés. Histoire qu'à l'avenir, tu sois vraiment bien armé pour te protéger. Parce que changer le nom d'un produit, ça, les marques, elles savent le faire. Mais elles n'ont pas le droit de mentir sur la liste de leurs ingrédients. Enfin, presque pas. Le shampoing. Le mot shampoing vient de l'anglais shampoo, qui vient lui-même de l'hindi champo, qui signifiait huiler et masser les muscles, qui était lui-même dérivé du mot sanskrit champna, qui désignait des fleurs dont les Indiens faisaient une huile très odorante pour s'enduire les cheveux et les faire briller. Aujourd'hui, le rôle d'un bon shampoing est de retirer l'excédent de sébum, les poussières, les micro-organismes et les toxines qui y sont piégés. L'eau seule n'étant pas capable de dissoudre les graisses, un shampoing possède obligatoirement un détergent. Donc ce détergent est irritant pour la peau et en plus il attaque la membrane plasmique riche en lipides des cellules qui constituent ton épiderme. Alors pour plus d'infos, révise tes cours dans les fiches. Le rôle d'un fabricant de shampoing pour fabriquer un bon shampoing est de trouver la formule la moins irritante possible. Mais le font-ils vraiment? Pour comprendre tous les dangers qui te menacent, on va déjà faire un petit tour dans l'industrie des cosmétiques et c'est pas jojo du tout. Ce que tu pourrais faire, si ça t'embête pas, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce serait de mettre le nom du shampoing que tu utilises juste en dessous dans l'espace commentaire, afin qu'on ait une idée globale des produits les plus utilisés. Le premier point pour l'industrie des cosmétiques, c'est la rentabilité. Pour proposer un bon shampoing qui réponde réellement à d'énormes normes de qualité, celle-ci va devoir le proposer à un prix beaucoup plus élevé. Avec une concurrence énorme sur le marché des cosmétiques et en particulier dans la grande distribution, chaque marque essaye de produire le produit le moins cher possible. Et ce, quitte à mettre ta santé en danger. Mise en danger de la vie d'autrui. Note ça dans les chefs d'inculpation. Pour vendre un produit le moins cher possible, un fabricant doit absolument réduire ses coûts de fabrication. Pour y parvenir, elles vont donc réduire la quantité et la qualité des actifs qui s'y trouvent. Mais comme un shampoing doit quand même avoir une belle texture crémeuse, parce que t'achèterais toi une bouteille juste remplie de flotte, ils sont bien contraints de devoir trouver des alternatives. Et comme chaque marque essaye d'être la plus concurrentielle possible, il se livre depuis des années à une bataille sans merci, dont la victime principale, c'est toi. Alors là, je vais me faire un paquet d'ennemis, mais il faut que tu saches que c'est pas parce qu'un produit est estampillé professionnel qu'il est forcément sans danger. Et parfois même bien au contraire. Lorsqu'un fabricant de produits choisit un canal de distribution, il sait forcément à quel interlocuteur il aura affaire et ce à quoi il devra répondre. Il choisit un canal professionnel, et il aura un interlocuteur qui connaîtra un minimum la chimie des produits, la composition et la qualité que ceux-ci doivent avoir. Et il devra lui proposer un produit qui répond à certaines normes de qualité pour que le professionnel accepte de l'utiliser dans son travail. Soit il le propose à un canal de grande distribution et il aura un interlocuteur dont la seule mission sera de calculer le coût de revient, le taux de marge et savoir négocier le prix d'achat. Sans avoir aucune connaissance sur la chimie des produits qu'il mettra à la disposition de ses clients. Certaines marques d'ailleurs proposent deux canaux de distribution. L'un pour les professionnels où elles vont fournir des produits d'une certaine qualité et l'autre pour la grande distribution. Parfois même, certaines marques vont proposer le même produit à la grande distribution seulement elles l'auront coupé avant avec des ingrédients particulièrement nocifs pour réduire toujours les coûts de fabrication et pouvoir le proposer toujours à un prix moins élevé. Et pire encore, que ce soit dans chacun des canaux de distribution,
les marques, parfois, fabriquent des produits d'une très bonne qualité dès le départ, et lorsque celui-ci s'est fait une renommée et qu'il est particulièrement bien vendu, pour continuer à améliorer les taux de marge sur la fabrication de ce produit, elle modifie sa composition sans en avertir ni le professionnel ni l'utilisateur. Et on peut l'organiser ? C'est du propre. La seule manière qui existe pour que tu puisses savoir si la composition d'un produit a été modifiée, c'est de bien savoir identifier les ingrédients de ce que tu achètes. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vraiment t'apprendre comment on fait pour décortiquer les ingrédients d'un produit cosmétique. Cette vidéo sera beaucoup plus longue que d'habitude, parce que le sujet est de taille et que les dangers sont énormes. Mais ne t'inquiète pas, hein, si tu n'arrives pas à tout retenir, il n'y a pas de souci. À la fin de la vidéo, je vais t'offrir un moyen de ne plus jamais, 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 jamais tomber dans leur piège. Mais de toute façon, moi ça va, hein, j'ai tout mon temps. Alors comme je te le disais tout à l'heure, là dans cette vidéo, on va principalement parler du shampoing. Mais tous les autres cosmétiques sont concernés. J'ai pris le shampoing comme exemple parce que c'est le produit que moi j'utilise le plus souvent dans mon travail. C'est le produit que tout le monde utilise sur la planète. Et c'est un produit qui rentre en contact avec les coiffeurs, au moins au niveau de leurs mains, plusieurs fois par jour. Donc c'est, à mes yeux, avec le gel douche, l'un des produits les plus dangereux que l'on ait dans notre salle de bain. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en exemple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va découper la composition des produits. Tout d'abord, dans tes cosmétiques, le premier truc que tu verras quand tu regarderas la liste des ingrédients, c'est aqua ou water. C'est de l'eau, tout simplement. C'est le composant principal de la grande majorité des cosmétiques et il peut représenter entre 40 et 60% de ceux-ci. Ben jusqu'à là, ça va parce que c'est peut-être bien le seul truc potable qu'il y a dedans. Potable, potable, perso, moi, l'eau, je suis désolé, mais je touche pas ça. Non, non, non. Les détergents. Un détergent est un composé chimique ou naturel doté d'une propriété tensioactive. C'est-à-dire qu'elle possède une partie hydrophile qui va s'accrocher à l'eau et une partie lipophile qui va s'accrocher aux graisses. C'est donc grâce à ce principe que l'on peut dissoudre les graisses et les emporter avec l'eau du rinçage. La peau et le cuir chevelu sont constitués de cellules. Et chaque cellule possède une membrane qui la protège et elle-même est constituée de lipides, de gras. Toute la difficulté d'un produit cosmétique lavant, c'est de pouvoir dissoudre les graisses sans endommager la paroi cellulaire. À l'heure actuelle, sur le marché, aucun produit n'est réellement sélectif, ce qui rend tous les shampoings irritants. Car en altérant les cellules épidermiques qui se trouvent à la surface de la peau, il crée des irritations qui deviennent des brèches et la peau ne peut plus empêcher l'intrusion d'organismes pathogènes à l'intérieur de ton organisme. Dans un shampoing de haute qualité, on trouvera un détergent très très peu irritant associé à des agents limitant les éventuelles irritations. Parmi les détergents les plus agressifs, on a le sodium lauryl sulfate, mais il y en a bien d'autres. Et comme la vidéo promet déjà d'être longue, je ne vais pas tous te les lister à l'oral. Tu les retrouveras dans le PDF que je vais t'offrir gratuitement, bien sûr, à la fin de la vidéo. Je sais, je suis trop sympa. Pour limiter l'agressivité des détergents utilisés, il faut les coupler à des co-bases lavantes très très douces. Une que je te conseille particulièrement d'utiliser, ce serait le Decyl Glucoside. Mais dans le PDF que je t'offre en fin de vidéo, tu auras toute la liste avec les co-bases lavantes qui existent. Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, ces bases lavantes n'ont pas ou presque pas de pouvoir moussant. Alors pour pouvoir apporter dedans ce pouvoir moussant que les consommateurs, dont toi, réclament absolument, voilà, chef, hein. En même temps, c'est elle qui l'a cherché. Hein. Il rajoute dans la composition du polyéthylène glycol, PEG. Alors, juste au passage, hein, comme ça, entre nous, c'est pas la mousse qui lave. Et la mousse d'un shampoing n'est en aucun cas un gage de qualité. En aucun cas. Bref, les PEG servent aussi aux shampoings ou aux crèmes à leur donner une texture plus crémeuse ou plus onctueuse. Toujours dans le but de séduire le consommateur. Parce que oui, le consommateur aime acheter ce qui est beau, quitte à... Le PEG est fabriqué à partir d'un oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, hautement toxique, cancérigène et mutagène. La fabrication est très stricte et très rigoureuse, et particulièrement polluante. Ceci dit, il se peut que dans un processus légèrement bâclé, il soit contaminé au dioxane, une substance des plus irritantes et cancérigènes. Donc, toujours entre nous, plus le prix est bas, plus il y a des chances qu'il soit fabriqué de façon moins scrupuleuse. Et en plus, oui, les PEG sont susceptibles de créer des allergies et d'être d'énormes cancérigènes. C'est pourquoi ils sortiraient progressivement des produits cosmétiques à l'heure actuelle. D'ailleurs, à ce propos, ce qui me fait un peu sourire, c'est que les scientifiques sont divisés sur la question. Certains le voient comme un véritable poison qu'il faut bannir. D'autres le voient comme un produit pas si dangereux que ça. Surtout, parce qu'on parlait d'un shampoing,
dans un produit qui se rince. Mais il y a plein de cosmétiques qui en ont et qui ne se rincent pas. Donc on voit bien là que même les plus favorables d'entre eux, ils vont avec des pincettes. Donc par principe de prudence, je t'invite à les bannir. Mais malheureusement, ils sont souvent associés ou remplacés par le PPG. Le PPG, c'est le propylène glycol. C'est un dérivé d'une huile utilisée pour fabriquer de l'antigel ou pour entretenir les freins industriels. Oui, carrément. Ah, bah on les tient. Ah non, laisse, ça c'est légal. Leur rôle, c'est de conserver les propriétés hydratantes dans un produit chimique. Bon, le seul problème, c'est qu'ils sont juste impliqués dans les déformations du foie ou dans les problèmes rénaux. Trois fois rien. Et le foie, c'est vachement utile en plus. Ma foi, santé, santé. On les utilise aussi dans les cosmétiques pour leur fonction de conservateur. Dans tous les cas, des études très sérieuses ont démontré que l'utilisation prolongée des PEG et des PPG était responsable de l'infertilité masculine. Et les femmes, elles, ne sont pas en reste puisque ça provoque chez elles un dérèglement des cycles menstruels, des difficultés énormes pour tomber enceinte et dans de nombreux cas, des avortements précoces. Bon, à ce stade de la vidéo, si je te tends une clope ou un shampoing, tu prends quoi? Alors, tu hésites? Bah alors attends, parce que c'est pas fini. Personne pour le shampoing. Bah, tu veux pas plus faire de cigarette? Fumer, ça tue trop lentement. Moi, j'ai pas le temps. Les conservateurs et les solvants. Et bah là encore, on va pointer du doigt des substances qui ne te veulent que du bien. Donc, comme tu le sais certainement, déjà, un conservateur est une substance qui permet à un produit d'avoir une certaine longévité dans le temps. En s'assurant d'une part de la stabilité de la solution chimique sur une période plus longue, et pour éviter d'autre part la prolifération microbienne dans le produit. On utilisait il y a peu du formaldéhyde, mais jugé dangereux, il a été remplacé par les parabènes, jusqu'à leur récente remise en question. Depuis, ils sont progressivement remplacés par le thiazolinone. C'est du chinois? D'accord, on va rentrer dans le détail. Le formaldéhyde, ou formol pour les intimes, bien que jugé très dangereux pour la santé, est encore omniprésent dans les produits cosmétiques à l'heure actuelle, et ce, même dans les plus chers d'entre eux. Il est utilisé comme conservateur antimicrobien. Sa dangerosité est énorme. Il est irritant, il est allergisant, ça à la limite, mais c'est surtout un modificateur de protéines et un modificateur d'ADN, et ça en fait un cancérigène certain. Et pour bien comprendre l'importance de l'ADN et de la synthétisation des protéines, je t'invite à regarder le cours sur la cellule. La concentration du formaldéhyde dans les produits cosmétiques est limitée à 0,2%. Mais attention, car en dessous 0,05%, le fabricant n'est pas tenu de l'indiquer sur l'emballage. Et la loi, c'est la loi. Comme c'est un composant très controversé, nombre de consommateurs lui font déjà la chasse. Pour se défendre, les marques changent très régulièrement le nom de son composant en modifiant légèrement quelques ci, quelques ça. On se retrouve donc aujourd'hui avec une liste répertoriée à l'INSEE très longue. Cette liste, je te la donne dans le PDF pour que tu aies vraiment tous les noms possibles qu'il peut prendre dans la liste des ingrédients. On a vu qu'ils étaient progressivement remplacés par les parabènes. Alors les parabènes, quant à eux, sont aussi irritants et allergisants. Mais à ce moment de la vidéo, je pense que tu te dis, on a vu pire. Alors colle bien ton cul sur ta chaise et ouvre bien tes esgourdes. Eux, leur super pouvoir, c'est de pouvoir pénétrer à l'intérieur de la peau. Dis chef, ouais. Quand on fait pénétrer quelque chose dans quelqu'un sans son consentement, pour appeler ça du viol. Ils ne vont pas se contenter de dézinguer de l'extérieur, ils vont aussi t'achever à l'intérieur. Alors c'est pas mal quand même, hein? Mais attends, il y a pire. Leur composition est très proche de nos hormones. Alors du coup, leur présence perturbe à mort notre système endocrinien. Et pour la petite info, on a même retrouvé du parabène dans certaines tumeurs. Petit cours de biologie, le système endocrinien regroupe toutes les glandes qui ont la particularité de reverser les substances qu'elles sécrètent à l'intérieur du corps. En particulier, les hormones. Les hormones sont d'une importance capitale dans la vie et le développement d'un être humain. Par exemple, l'insuline est une hormone fabriquée par le pancréas, plus précisément par les petites cellules bêta de l'îlot de Langerhans, et qui sert à faire pénétrer le glucose à l'intérieur des cellules ou à le diriger vers le foie ou les muscles pour qu'il soit stocké. D'autres hormones sont liées au développement sexuel, d'autres à la grossesse, elles peuvent avoir une incidence sur l'humeur, enfin bref, les hormones ont une incidence majeure sur la vie. Et en les perturbant, c'est tout ton organisme que tu dérègles. En cas de grossesse, le problème est d'autant plus grave puisqu'il va nuire considérablement au développement du bébé. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils sont retirés du marché. Enfin, pas encore.
Et ils vont l'être. Mais par quoi vont-ils bien pouvoir les remplacer? Ah, c'est simple. Ils vont être remplacés par les thiazolinones. Alors, le thiazolinone, devine. Irritant, allergisant, bon, bah ça, tu t'en doutais. Mais attends, parce que la blague du siècle, avec les thiazolinones, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des libérateurs de formol. Là, je crois qu'on retourne en arrière. Donc, tu bouges pas, je vais me pendre. Bon, bah comme tu vois, ça a pas marché. Donc, c'est pas grave, je réessayerai avec une méthode plus sûre, plus efficace, les cosmétiques. Bon, allez, on va continuer. On va parler d'éthanol aminé. Qu'il s'agisse du monoéthanol aminé, du diéthanol aminé ou du triéthanol aminé, ces substances vont servir d'émollient, d'émulsifiant ou de tensioactif. Pour information, le monoéthanol aminé est le catalyseur qui est utilisé dans les colorations d'oxydation à la place de l'ammoniac dans les colorations sans ammoniac. Comment est fabriqué l'éthanol aminé? Il est fabriqué en faisant réagir un oxyde d'éthylène, alors ça on l'a vu un petit peu avant, avec de l'ammoniac liquide. Donc en fait, une fois l'oxyde d'éthylène évaporé. Alors si tu te souviens bien ce qu'on a dit tout à l'heure, une fois qu'on a fait réagir l'oxyde d'éthylène dans une solution chimique, il n'en reste normalement à la fin plus une trace. Donc en fait, dans la coloration sans ammoniac, le catalyseur, c'est l'ammoniac. Mais attends là, ils seraient pas en train de nous prendre pour des cons? Le véritable danger de cette substance, c'est qu'elle peut réagir avec les autres substances présentes et créer des nitrosamines cancérigènes. Elle est également toxique, irritante, comme tout quasiment maintenant. Elles peuvent provoquer des réactions allergiques, ils sont irritants, elles peuvent être très toxiques pour ton organisme s'ils sont absorbés sur de longues périodes. Alors juste pour la petite information, le triéthanol aminé est totalement interdit au Canada. Bon, après, entre nous, l'ammoniac, dans tout ça, c'est pas ce qu'il y a de pire. D'ailleurs, ton organisme en fabrique à longueur de journée et il l'élimine très bien. J'aborderai plus en détail tous ces points qui sont plus spécifiques à la coloration dans une prochaine vidéo. Alors juste là, ici, là, tu vois le petit gugus? Tu cliques dessus, il y a s'abonner. Bon, tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai parlé de perturbateurs endocriniens. Tu te souviens de leurs effets? Eh ben là, je vais t'en présenter un autre, c'est les filtres à UV chimiques. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils sont hautement toxiques et cancérigènes. Alors oui, parce qu'il existe dans les cosmétiques deux types de filtres à UV. Bah ça, de toute façon, si t'as des dents mortes, ça ne concerne pas. Comme tu le sais déjà, un filtre à UV sert à éviter l'exposition aux ultraviolets qui sont nocifs pour la peau ou pour les cheveux. Donc, il y a deux types de filtres à UV. Les filtres à UV chimiques qui absorbent les ultraviolets et les filtres à UV minéraux qui les réfléchissent. En plus des propriétés que je viens de décrire, les filtres à UV chimiques sont très nocifs pour la faune et la flore aquatique. Mais qui met de la crème solaire à un poisson? Quand tu te badigeonnes d'une protection solaire, très généralement c'est lorsque tu es à la plage. Et ce que tu fais, tu vas te baigner. En tout cas dans la grande majorité des cas. C'est à ce moment-là que ces substances se retrouvent au contact de l'eau et ils ont comme conséquence de décolorer les coraux et ils sont en grande partie responsables de la disparition des récifs. Les filtres à UV minéraux, eux, ne sont nocifs que lorsqu'ils se trouvent à l'état de nanoparticules car ils peuvent rentrer dans l'organisme. Le vrai problème avec ces nanoparticules, c'est qu'elles sont dites biopersistantes et l'organisme ne parvient pas à s'en débarrasser. Les nanoparticules sont utilisées dans les produits crémeux car l'utilisateur n'achèterait pas le produit si celui-ci lui donnait une apparence blanchâtre après son utilisation. Tu vois, chef, c'est eux qui cherchent. Donc ça va pour l'instant, tu tiens le coup? Non, parce que là, maintenant, on va parler des substances dites occlusives. Une substance occlusive est une substance qui retire à la peau, au cuir chevelu ou aux cheveux sa perméabilité. Le plus connu de tous, tu en as déjà entendu parler, c'est le silicone. Le silicone, mais pourquoi c'est pas bien le silicone? Ah, c'est dommage, moi franchement je trouve ça joli sur une femme, tu vois. Carrément. Ils sont facilement reconnaissables par leur nom qui se termine soit par icône, soit par iloxane.
J'en parle justement dans la vidéo sur les cheveux gras que tu retrouveras dans les fiches. Pire que les silicones, dans certains cas, les fabricants vont utiliser la paraffine. C'est une huile dérivée du pétrole. Quoi, du pétrole? Dis donc, on tape dans le luxe là. Elle est très très occlusive et en plus n'a aucun bienfait pour la peau. Et depuis quelques années que les coiffeurs font la guerre au silicone et depuis qu'on avertit nos clients des dangers du silicone à la fois sur la santé et sur la réalisation des prestations techniques, on a vu fleurir dans la grande distribution un grand nombre de shampoings dits sans silicone. Et tu t'es dit, mais c'est génial! Eh ben non! Parce qu'ils sont remplacés par des ammoniums quaternaires. Petit cours de chimie rapide. Un ion ammonium est généré par la réaction de l'ammoniac, appelé base, avec un acide de Bronsted qui va lui donner un proton. Il est parfois même présenté comme un ammoniac ionisé. L'ammonium quaternaire, lui, contrairement à l'ion ammonium, reste chargé de façon permanente. Et ce, peu importe le pH de la solution. Mais le problème, c'est qu'il s'agit là encore d'une substance très occlusive, qui est très 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 fréquemment utilisée dans les shampoings et les après-shampoings. Le vrai danger avec ces substances-là, c'est qu'elles sont vraiment 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 irritantes et en plus elles ne sont pas biodégradables. On peut les reconnaître avec leur nom qui termine en bromide, monium, chloride, quaternum, suivi d'un chiffre. Les polyquaternum et les BTMS en font partie également. T'as compris quelque chose toi? Moi, depuis le début, j'ai rien compris. J'attends juste le PDF à la fin de la vidéo. Alors oui, tu n'es pas tenu de tout retenir. Si j'en parle, c'est juste pour que tu comprennes le principe et les dangers. À la fin de la vidéo, je vais bientôt, là, te donner tout le nécessaire pour que tu puisses t'y retrouver. Alors là, on va parler d'un autre agent émulsifiant très, 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 très nocif. L'alkyphénol et les éthoxylates d'alkyphénol. L'un d'entre eux, pour info, le monylphénol est l'ingrédient actif des spermicides. L'Union européenne leur reconnaît un risque potentiel pour le développement du fœtus et sur la fertilité. De surcroît, ils sont également des perturbateurs endocriniens qui pénètrent dans l'organisme et altèrent notre fabrication hormonale. Et en plus, ils stimulent la prolifération cancéreuse grâce à leur capacité à atteindre l'ADN et à le modifier. Dans les cosmétiques, en règle générale, tu as aussi des antioxydants. Les BHT et les BHA en font partie. Bon alors eux ils ont juste la particularité de modifier ton système immunitaire, de modifier ta formule sanguine, d'attaquer ta thyroïde et d'attaquer ton foie. Bon ils se fixent aussi dans le tissu humain et atterrissent dans le fœtus. Ils déclenchent des allergies et sont suspectés d'être cancérigènes. Ce qui est réellement incompréhensible c'est qu'il existe un antioxydant naturel, le tricoférol, la vitamine E. Donc il n'y a aucune raison de continuer à utiliser les BHA et les BHT. Mais allez savoir. Ben je dis ça, je dis rien, mais si, ça va nous coûter bonbon cette histoire. Et ben justement non, ça ne va pas coûter plus cher. Ça va juste apporter une contrainte supplémentaire, surtout au début pour les fabricants, parce qu'au lieu de le fabriquer, ils vont être obligés de les extraire et de les récupérer. Mais sur la masse de produits vendus, ça va pas coûter plus cher. Donc non, il n'y a vraiment aucune raison valable pour continuer à utiliser les BHT et les BHA. Et donc pour terminer, là je vais aborder brièvement une liste de substances. On les retrouve pas obligatoirement dans les shampoings, mais tu les retrouves dans des produits que tu utilises quand même au quotidien. Et donc je pense que c'est quand même pas mal que tu saches de quoi il en retourne. Les phtalates, produits à partir de goudron ou de pétrole, tu les retrouves notamment comme plastifiant dans les vernis à ongles ou comme parfum dans les autres produits cosmétiques. Donc eux, ce qu'on leur reproche, c'est d'être des perturbateurs endocriniens. On en a déjà parlé dans cette vidéo. Ils sont responsables d'une baisse de la fertilité. Alors ils sont aussi impliqués dans l'obésité, dans la puberté précoce, dans le cancer du sein et le cancer des testicules. Mais l'ennui, c'est qu'ils peuvent être dissimulés sous l'appellation parfum ou fragrance sans que l'on soit pour autant sûr qu'il s'agisse bien de ça. Et on va finir avec les colorants. Les colorants, comme tu le sais, c'est des substances qui sont utilisées pour donner au produit la couleur qu'il a. Le problème avec eux, c'est qu'il y en a 25 parmi ceux qui sont autorisés en Europe, les colorants azoïques, qui ont la capacité de pénétrer à l'intérieur de la peau et d'aller endommager le foie et de fabriquer de l'aniline. L'aniline rejoint le problème des nitrosamines que j'évoquais tout à l'heure, libérées par les éthanolaminés, et ça renforce grandement les risques cancérigènes. Alors comme on a pu le voir à travers cette vidéo, tu vois que dans tous les produits que tu utilises au quotidien, tu retrouves énormément de substances agressives, toxiques et hyper dangereuses. Et j'ai envie d'ajouter qu'en plus de tous les dangers qu'elles font courir sur ta santé, ces substances, en général,
pose un problème environnemental. Que ce soit par la pollution créée par leur fabrication, que ce soit par la pollution créée par leur utilisation, ou que ce soit par la pollution créée par leur rejet, et pour la particularité de certaines d'entre elles de ne pas être biodégradables, et pour de nombreux d'entre elles d'être les trois à la fois. Et donc, comme tu peux le voir, ça pose vraiment des problèmes à tous les niveaux. En plus de ça, ce qu'il faut que tu saches, et donc, qui dit pollution, dit dégradation de l'environnement, dit forcément que ça va poser encore plus de problèmes par la suite sur ta santé, mais pas que la tienne, sur la santé de tous les êtres vivants qui se trouvent actuellement sur Terre. Donc, il serait peut-être temps que l'être humain prenne ça en considération et qu'on fasse ce qu'il faut pour éviter justement d'aggraver le problème dans les années à venir. Certains labels bio interdisent la grande majorité de ces substances. Je ne fais pas l'apologie du bio, puisque d'une manière générale, dans un produit estampillé bio, on retrouve maximum 18 à 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Et si je peux te donner un conseil, essaye de t'intéresser plutôt aux ingrédients d'origine naturelle. Mais ils ont au moins le mérite d'interdire les substances les plus nocives pour l'homme. Et beaucoup de fabricants de shampoing ont à cœur de te proposer les produits les moins agressifs, les moins irritants et de la meilleure qualité possible. Ceci étant, tu ne les retrouveras pas dans la grande distribution. Leur coût sera obligatoirement un peu plus élevé et je peux te garantir avec l'expérience que sur le long terme, ces produits ne te reviendront pas plus cher. Et en plus, tu auras des résultats beaucoup plus significatifs. Et dans le futur, si on veut pouvoir acheter ces cosmétiques sans courir de danger, il faut absolument que les marques topent l'utilisation des substances que l'on vient de décrire dans cette vidéo. Mais tant que les consommateurs continueront d'acheter les produits que les grandes industries du cosmétique leur proposent, ça n'arrivera pas. Donc, pour qu'elles soient contraintes de stopper l'utilisation de toutes ces substances pathogènes, eh ben, il va falloir les boycotter, tout simplement. Boycott, 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 boycott. Hey! Et en attendant, si tu suis cette chaîne, tu retrouveras au fur et à mesure des vidéos des alternatives beaucoup plus saines et beaucoup plus naturelles. Et je te présenterai aussi dans les prochaines vidéos des produits qui répondent vraiment à ce que j'appelle un critère de qualité et qui ne seront pas irritants ni agressifs pour toi. Donc je te l'accorde, aujourd'hui j'ai fait le procès des cosmétiques, mais ce n'est pas les seuls qui sont impliqués dans les cancers ou dans les autres maladies. Je me suis permis d'aborder ce sujet-là parce que comme tu peux le voir derrière, je travaille depuis des années et des années et des années avec des produits cosmétiques et c'est donc un domaine que je maîtrise un petit peu mieux que la pollution atmosphérique, les ondes, la malbouffe ou tous ces autres sujets dont tu retrouveras d'énormes vidéos sur internet. Et donc si j'ai fait cette vidéo, c'est pour que tu sois en mesure d'identifier les dangers dans cette partie que moi je connais. Enfin, pour être franc, je connais, je savais qu'il y avait, surtout dans les produits bon marché, énormément de substances qui peuvent être vraiment irritantes et pathogènes pour la santé. Le problème, c'est qu'en faisant cette vidéo, pour être sûr de pas dire trop de conneries, j'ai fait énormément de recherches. Et je me suis rendu compte que même dans les shampoings que moi je vends, il y a énormément de produits qui sont listés très dangereux. Et pour cette raison, je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui j'ai déjà vendu des produits, parce que je ne le savais pas, tout simplement. Mais à partir d'aujourd'hui, maintenant que je le sais, je peux te garantir que je vais faire très attention aux produits que je vais rentrer dans mon salon et que je vais proposer à ma clientèle. Et chaque fois que je trouverai une marque ou un produit ou quelque chose qui correspond réellement à ce que j'appelle un critère de qualité, eh ben j'en parlerai dans les vidéos pour que tu puisses aussi toi en profiter, que tu sois coiffeur ou un particulier et que de la secousse, ben, tu aies dans ta salle de bain ou dans ton salon de coiffure les meilleurs produits possibles qui mettent le moins de personnes en danger. Ah ouais, parce que si je te dis de boycotter des marques, mais que moi à côté je les utilise, niveau crédibilité ça va pas être terrible. Alors on peut aussi remercier UFC Que Choisir pour la formidable enquête qu'ils ont fournie et pour la liste complète de tous les produits cosmétiques qu'ils ont listés par leur dangerosité pour l'homme. Alors attention, leur enquête ne porte pas sur l'efficacité d'un produit, mais sur la dangerosité. Tu peux tomber sur un produit qui n'aura aucune efficacité, mais il ne sera pas dangereux pour ta santé, ou en tout cas beaucoup moins que les autres. Et donc c'est cette vidéo dans la description, tu retrouveras un lien qui te permettra d'accéder à la totalité
totalité de leur enquête. Et en plus, sous cette vidéo, je te mets aussi le lien de l'application qu'ils ont créée pour que tu puisses scanner toi-même tes produits avant de les acheter, ce qui pourrait être bien utile que de tout retenir par cœur. Donc, je t'invite à te rendre vite dans la description, à choper les liens pour récupérer tous les PDF listés par type de produit, un shampoing, un rouge à lèvres, vernis, fond de teint, tout. Il y a vraiment tous les produits cosmétiques qui sont listés par leur dangerosité, donc de l'enquête du FC que choisir, et leur application qui te permettra, quand tu seras en course, de scanner un peu les produits. Alors au début, tu le feras pour t'amuser, puis après, ça va vraiment devenir ton meilleur ami pour te permettre de choisir, que ce soit dans la grande distribution ou chez un professionnel, les produits les moins agressifs possibles. Donc comme je suis un mec sympa, j'ai préparé en PDF la liste complète de toutes les substances qu'on a listées dans cette vidéo, avec toutes les appellations qui ont été répertoriées par l'INSEE, et que tu retrouves dans la partie ingrédients, inscrit sur chacune de tes bouteilles de cosmétiques. Comme ça, quand tu achèteras tes produits, tu pourras les comparer au PDF et voir si c'est un produit dangereux ou pas. Et tout ça gratuitement, bien sûr. Et donc là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que tu le vaux bien. Ouais, bah je pense qu'on tient les coupables, chef, hein. Exact, mon cher Wilson. Du coup, j'hésite un peu à prendre une bouche en rentrant. Je sais que de source sûre que dans les prochaines vidéos, on sera les meilleurs produits qui existent. Génial. Allez, viens, on va s'abonner. Alors oui, dans cette vidéo aujourd'hui, on a vraiment fait le procès de la dangerosité des produits cosmétiques. Quand tu achètes un produit cosmétique, que ce soit n'importe lequel, tu l'achètes en espérant avoir une certaine efficacité. Dans cette vidéo, on n'a pas du tout traité de l'efficacité des produits, mais bien de leur dangerosité. Et dans une prochaine vidéo, on parlera justement de l'efficacité des produits cosmétiques. Et moi, j'ai prévu de te faire cette vidéo sous le format d'un crash test sur de pauvres innocentes victimes humaines. Mais si tu as d'autres idées, si tu penses que ce format pourrait être de manière différente, n'hésite pas à donner tes suggestions dans les commentaires. Si tu es fournisseur, fabricant, représentant, enfin si tu travailles avec des marques de produits cosmétiques qui ne mettent absolument pas la santé de ses utilisateurs en danger, tu peux me contacter par tous les moyens que tu veux, que tu trouveras dans cette description ou sur les réseaux sociaux ou comme tu veux, pour que je propose tes produits au travers de mon prochain blog ou des vidéos crash test qui vont arriver sur la chaîne. Donc si tu as envie d'avoir une idée un peu du travail que je fournis au quotidien, j'ai mis les liens de tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrit, où tu pourras voir un petit peu les coiffures que je réalise, les produits que j'y utilise, que je teste des fois et tout ça. Donc ça peut te donner un petit peu un aperçu de certains produits et de la qualité de ceux-ci. Et qui sait, peut-être que ça te donnera aussi des inspirations pour tes futures idées coiffures et tout ça, voir un petit peu les tendances, les choses, tout ce qui peut exister, tout ce que je peux faire au quotidien ici même. Si tu veux faire du shopping pour tes vêtements, tout ça, machin, je t'ai mis aussi des liens en description. Donc un pour des vêtements un peu généralistes avec un code promo et tout, pour que tu puisses faire des économies sur ton shopping. Et un autre avec des vêtements un petit peu plus perso, dont les graphismes ont été créés par moi-même. Donc voilà, pareil, tu as tous les liens dans la description, donc t'hésite pas. Il y a énormément de choses que j'ai apprises en faisant les recherches pour cette vidéo. Et je ne soupçonnais même pas la dangerosité d'une partie des actifs qui peuvent se trouver dans certains produits que je propose moi-même, comme beaucoup de coiffeurs, à mes clientes. Et pour ça, je tiens vraiment à m'en excuser parce que je ne le savais absolument pas. Et à partir de maintenant, je vais être particulièrement vigilant sur énormément de points. Je savais à la base qu'il y avait des trucs toxiques, mais je pensais réellement que c'était surtout dans la grande distribution et dans certains produits professionnels. Et il y a déjà pas mal de substances que je chassais et que tu ne retrouvais pas chez moi. Mais là, je vais déjà faire un grand tri et je vais me mettre à choisir beaucoup plus sérieusement les marques avec lesquelles je travaille à partir d'aujourd'hui. Et je t'invite toi aussi à faire très attention aux produits, soit que tu proposes si tu es un professionnel, soit que tu utilises si tu es en particulier. Donc, et là, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te laisser avec la tonne de lecture qui t'attend. N'hésite surtout pas à poser toutes tes questions dans l'espace commentaire sous la vidéo et je te répondrai avec grand plaisir au travers du prochain vlog qui devrait sortir d'ici peu. Et je te donne rendez-vous lundi prochain à 20h pour le prochain épisode de la série sur la vie de mes cheveux. Et donc, en attendant, prends bien soin de tes cheveux. À lundi prochain. Ciao, ciao. C'est qui te conduit, chef? Tu sais, même dans notre état, ça sera toujours moins dangereux de conduire que d'utiliser les produits que Mister nous a cités. Ben ouais. Alors, Jackie et Michel, on vous remercie qui? Ouais, merci. Oh, mais c'est vous, Jackie et Michel? Non, c'est pas que... Ouais. Coupé. Mon tournage. Non, mais attends. Tu te rends compte, là, l'opportunité que j'ai, ton tournage, on verra après, on s'en fout, là. Franchement, on s'en fout. C'est moi qui m'occupe des castings. Allez, viens, on va en parler tranquillement.